Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Lazy Dragons pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve pour le passage au niveau 9. Et ouais, là on en a marre du niveau 8, il nous fait chier. Hein. On va EP une ou deux cartes parce que là on a 4390, il en faut 5000. Donc déjà j'ai 20 000 or. On va EP, vous savez quoi, le sort de poison. Ça c'est bon. Boum, dégâts par seconde, 50 et 20 sur les tours couronnés, ok. Ça nous rapporte 50 XP, pas assez, bordel. Il nous faut un truc qui nous donne du lourd. Un truc qui donne du 100, 100, non 200, 200. Et on va murer le miroir parce que... Il est bien. Hein. Voilà, 100 XP déjà, c'est bien. On se rapproche petit à petit. De toute façon je vais même acheter encore de l'or. Putain le bug de co. On va s'acheter de l'or, vous savez quoi. Touk, touk. Voilà. Et on va améliorer cette merde. Hein, il manque en plus une carte pour le EP niveau 4, bien sûr. Ça nous fait très très chier. Le baby dragon, est-ce qu'on le up niveau 4? Ça nous rapporte 100 XP. Je sais absolument pas. Y'a pas un truc qui a 4000, genre. Bordel, y'a pas un truc. Comment ça se passe? Jean Royal, je crois qu'on va le EP le Jean Royal. Parce que je crois qu'on va le jouer le Jean Royal. Voilà, 200. Attends, on l'a EP niveau 9, quoi. On pouvait le EP niveau. Non! Ok, il nous manque juste une carte. Bah, ça école les trois mousquetaires. Non. L'esprit de feu. Allez, l'esprit de feu. Allez, on se régale, nous, l'esprit de feu. C'est bon. Tété. Boum! Niveau 9! Tour du roi, point de vie. 4800 plus 240. Dégâts, 83 plus 5. Wow. On est niveau 9, un truc de malade. Oh my god, OMG les amis. MDR. Alors, putain, regardez tout ce que j'ai comme or. J'ai fait, putain, tout ce qu'il fallait que je gaspille, mais c'est pas grave. Hein. Pour un niveau, pour être niveau 9, j'allais faire ça. En plus, ça me permet de EP mes cartes. Hein. En plus, j'ai des cartes que je ne joue pas, comme le Jean Royal de niveau 9. Il est pas mal niveau 9, hein. Combien de dégâts cette merde. 2544 de points de vie. Ah, ça c'est bon ça. 500, ok, ça c'est pas bon par contre les dégâts. Ouh, regardez, sa portée de. La portée est à 6,5 alors que la mousquetaire. Attends, une mousquetaire, regardez. Une mousquetaire c'est 6. Il y a 0,5 qui a été augmenté, MDR. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se regarder un gameplay ou comment ça se passe? Non, pas Yuyu, Ninox. Non, pas Lucas du 93. Non, il m'a dit ça, c'est cool ça. Alors, on va visionner ça, un mec qui joue géant royal avec le sorcier de glace. C'est magnifique le sorcier de glace. Hein. Alors, en plus, il est niveau 9. Hein. Je tombe beaucoup, beaucoup trop souvent sur du niveau 9. Mais c'est pas grave parce que. Je les fume tous, à me dire. Alors, ma seule troupe qui fait des dégâts. Ah non, j'en ai deux. J'ai le sorcier de glace qui fait des dégâts de zone et le prince ténébreux. Alors, prince ténébreux qui fait des dégâts de zone ultra. Tellement bien parce qu'en fait, quand il charge, il fait deux fois plus de dégâts de zone. Et ça, c'est cool. Donc, je décide d'envoyer un prince ténébreux parce que j'avais pas quoi mettre, quoi. Et là, je fais une erreur. Je ne contre pas son cochon. Il m'a fait chier son cochon et là ça commençait tu vois à être chiant. J'étais dans la galère. Et là regardez à gauche, prince ténébreux, barbare. On va lui détruire une tour, sûr et certain. Enfin je crois en fait. Ouais, en fait on lui a détruit une tour, cool. Vous voyez avec le mec prince ténébreux et barbare. Et là on lui a envoyé un prince avec le sorcier de glace. Comment ça se passe là? Comment ça se passe? Alors ce sorcier de glace je l'ai décidé de le contrer parce qu'il est très très puissant. Alors mini PK qui va être un peu chiant, je dois l'avouer.
Donc le mini PK, il va me détruire la tour, je crois que je vais lui laisser, non? Non. Ok, si je vais essayer de détruire ma tour. Donc le mec, en fait, il a le même niveau que moi de troupes, par rapport aux troupes. Le truc que je savais pas. Ah non, si, je sais qu'il joue... j'ai un royal. Donc là, ça se passe très très bien pour moi. Je vais poser un extracteur d'exir. Je crois... En fait, je suis pas sûr parce que il peut me le détruire avec le genre royal. Et là, je décide quoi? Soit détruire la tour de droite. Et là, je crois qu'il a fait il a fait un truc très très mal, c'est mettre son genre royal. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je mets mon sorcier de glace vite avant qu'il détruise mon PK. Avant que les minions détruisent mon PK. Qu'est-ce que je fais là? Clairement, on met le prince. Il fait des dégâts incroyables au niveau 3 d'ailleurs, faudrait que je le up sur un prochain pack opening. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, il y aura des pack opening tous les mois. Hein, ce mec met boule de feu, ça me fait chier. Et là, sur cette glace qui fait un boulot énorme. Bon, là, le mec il a dit ok, c'est mort là. Les deux princes qui m'attaquent et boum! En plus, ma tour de gauche était à 36 de points de vie. J'avais même pas vu. Et j'ai battu Woody. Oui, je l'ai battu, je suis trop fort. Le molosse de lave est une majestueuse créature volante. Les rouquets de lave sont des chiots énervés. Jamais. Des chiots énervés, oui, ok, c'est des chiots énervés. Alors, comment ça se passe le clan? Alors. Putain, le bug, tout le temps, ça me fait chier là. Allez, va te faire foutre. Non, j'ai pas lu. Oh, je veux pas lui donner du sorcier. Non. Alors, le clan. Ah, oh, le score du clan a monté là. Il a 100 000. Là, je déconne. On va dire qu'il a 10 000. Hein. Non, on va dire qu'il a 1 million. D'accord, parce qu'on est trop chaud, nous. Avec des niveaux de 3, 4. Ok. Non, mais il faut quoi ces niveaux 4? Attends. Il y a niveau 4 à 900. What the fuck, attends. Le mec est niveau 7. Arène 3 à 953 trophées. GG, mec. GG. Tu es de la bonne grosse merde. Oh, Nuxo officiel et chef adjoint. Alors, comment ça se passe d'ailleurs que lui, que je lui ai donné 10 petits gemmes. Environ dans les 3700 gemmes. Oui, c'est des petits gemmes, et alors? Et Lazy Pepper qui est monté jusqu'à 2480 et qui est redescendu quelques trophées. Il est remonté un peu. Et là, il a 2472 trophées. Donc, bonne chance pour qu'il me rattrape hein, parce qu'il va tomber que sur des niveaux 9 comme moi, quoi. Comme de gros gemmeurs. Alors, comment ça se passe? J'ai eu aujourd'hui une épique, c'était un PK encore. Et oui, j'en avais 4 sur 10 et là, j'en ai 5 sur 10. Ça, c'est cool. Et je crois que ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vais pas mettre l'intro et je vais pas mettre les miniatures parce que c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Je suis désolée. C'est trop long le truc. Et bye.